On va commencer. Impeccable. Bon. Salut. Aujourd'hui, on continue l'aventure sur Spider-Man. On continue l'aventure principale. Impeccable. Allez, c'est parti. Donc, on a 28% du jeu. J'ai un peu froid. Je suis bien couvert. Allez, c'est parti. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adrian Toomes, alias Vulture. Apparemment, ce criminel ailé bon, a un cancer et a été rapide. Déplacé à l'infirmerie du Raf pour être traité, ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raf? C'est une prison de très haute sécurité, bourrée de psychopathes. S'ils tombent malades, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'impôt. À 500 mètres de l'objectif. On est bien aussi tard. On est arrivé. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un sémoin. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man. Je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bon. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminé pour de bon? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô. Ça fait des années que j'attends ce moment.
qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez souffrir. Ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui, 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 oui. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Non, non. Bon, écoute, je dois retrouver papa, d'accord? Non, non. Miles, papa. Non. Miles, non, non. Papa est ici. Je vais le trouver. Miles! Papa est en vie, je le sais. Il a partout, copain. Il était juste là. Mais qu'est-ce que... Ah.
reste dans l'ombre. Par là. Pas maintenant. Ils me verraient. Je peux longer le bord pour les contourner. T'es bien, Wendy. Je viens. Moyen de les contourner. Papa était juste là. Je dois l'aider. Fonce. Nous devons partir, tout de suite. Non. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi.
Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Un petit trophée, impeccable. Je suis désolé, Jeff. Je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a merdé, et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Pourquoi c'est un pigeon ? Et la police ? Ils ont des pistes sur lui ? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il n'est pas au fist. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui sont interrogés. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Bon. Bon, ça c'est fait. Ensuite.
revenu. Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Bon. Je dois trouver une boîte de dérivation. Ah. Il nous reste des étoiles. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Que je vais ici. Ah. Trouvé. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Encore une. Bon. Ouais. Ouais, je suis bon, quoi. On est bon. Fait. On est pas fait. Voilà. Et voilà! Oh, wow. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Tous les itinéraires partent de la même adresse.
camion piégé? C'est dingue! C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai! Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yori, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Bon. Je vais sortir d'ici. Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Oh, on parle mais aussi avec style. Sinon, ouais, ça va. Bon, les gadgets, qu'est-ce qu'on a? Des pièges. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. La classe! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Bon. Il y a des snipes dans le coin, là. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Je vais aller ici. Il faut l'avoir en hauteur. On peut geler. Là-bas.
Coucou, Spanier. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Alors, deux secondes. Alors voilà. On se barre de là. Voilà. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre ? Ils sont des bases aux quatre coins de la ville. Bon, encore des quelques munitions annexes. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Comme si un seul poids mortel suffisait pas. Là. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Ouais, y a du monde. Hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale Horse Rides. Wow. Quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Bon. On est dans la merde.
peu d'énergie. Échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Paylance Rise. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Faut esquiver, merde. MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé Lee ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Paylance Rite. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Derrière quoi? Mais non, putain, on est arrivé à la fin, merde, c'est pas possible. Hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé Lee ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Paylance Rite. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant.
impeccable, on a réussi. Compris, Silver Bird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Allez. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chez nous ! Code SM1. Wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ? Code SMA. Nous attendons les ordres. Reçu code SMA. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Bon, allez. On se laisse sur ça. Hey, désolé pour cette histoire avec Sam. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. À plus tard.